très stars d'un pet show organisé il y a 2 semaines à Gros Caillou, je vous présente les chiens Chow Chow. Les seuls de cette race à Maurice, ces chiens à l'allure de petits lions sont originaires d'Asie centrale et forment partie des plus anciennes races de chiens connues. Alors j'ai à mes côtés Kush Puran Singh, leur éleveur. Alors Kush, d'abord, présente-moi Savanti Meveila. Je vous présente, je me dis Chow Chow. Un couleur noir appelé Lichuang et Jaumei. Ben, je viens à l'île Maurice en octobre dernier, que je finis d'adapter mon scalaire. Et je suis à Gros Caillou pour Dog Show. Et vraiment là-bas, c'est extra super là-bas, que tout le public est extra content de jouer, puisqu'il est unique à Maurice. Comment tu fais de venir Maurice et quelles bonnes difficultés tu finis gagner avant justement de venir Maurice? Bon, Chow Chow qui coule à noir, Lichuang est né en Mongolie. Mais là, quand il y a des moments de transfert en Serbie, quand il est occupé par mon agent, Tamara. Et là-bas, il fait tout le nécessaire pour moi, ensemble, Jarmei aussi vit ensemble. Et voilà que ça, tout ça a commencé ici. Mais c'est pas seul toutou qui est nom de l'arco. Et comment vous entendez avec les autres toutous? Ben, au fait, à Samoran, on a 10 chiens, dont 5 strays et 5 races. Et ce qu'elle a tout bien passé, la socialisation, tout ça a bien passé, que j'ai rendu à l'équipe là, comment dire. Et quel bon challenge que tu es dans, dans tous les jours, en fait, pour te grandir, te soigner? Au fait, pour le plus grand challenge pour les Chow Chow, c'est l'adaptation à l'île Maurice. Et au fait, moi, je voyage, je suis à La Réunion, quand je prends comme je fais une recherche, si je suis adapté là-bas et il me demande beaucoup de conseils, comment je fais pour adapter ici. Et comment je connais dans notre canal, comment je donne tout le soutien pour que je reste ici. Et je suis allé, je n'ai pas de problème, tout est bien passé. Et bon, j'espère que je gagne une longue vie à l'île Maurice. Et qui est cette particularité hein? Ben, les Chow Chow, vous êtes bien unique, comme tu connais. Ce qui est plus, fait, je suis plus content, c'est que la langue couleur bleu noir. Et c'est le cheval, un unique des races dans le monde qui a la langue bleu noir, c'est le Chow Pei et le Chow Chow. En fait, il y en a 44 les dents, qui coûtent tous les chiens à 42 les dents. Et après, il y en a un double coat, que tu trouves, il y a sa fourrure qui est ainsi, comme un lion, qui est bien unique aussi. Il y en a un Tibetan Mastiff aussi qui a ça. Et le Chow Chow. Après, ces oreilles qui ont un petit peu du triangle. Vous pensez que vous êtes intéressé à connaître si à l'avenir vous avez envie d'un chien Chow Chow, combien vous expectez pour dépenser? Bon, normalement, le Chow Chow est classé comme un troisième chien petit chien dans le monde. Ben, je mets un barème à partir de 100 000. Que, normalement, prix-là pour coûter d'après ce couleur. Que, nous avons 5 couleurs, couleur bleue, couleur noire, couleur rouge, couleur crème et couleur cinnamon. Ben, prix-là pour voyager à partir de cette couleur-là. Et vers quand tu penses? Je me plane pour importer l'année prochaine, si tout passe bien pour la grâce de Dieu. Là, jusqu'à là, il y a beaucoup de monde qui est vraiment intéressé.